Mesdames et messieurs, petits écrans, nous voilà pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Et je ne sais plus trop ce qu'on faisait, on va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc on a Summer qui veut nous parler. Ah, j'ai des planches. Planche qui veut des planches! J'ai coupé des planches, t'es là! Profites-en! Ah bah oui. Ah non, c'est pas Summer qui veut nous parler, c'est Francis. Francis dit, c'est ton jour de chance. Tu dois être chanceuse. J'ai une nouvelle course juste pour toi. Fraîchement sortie des presses. Jette-y un oeil. Bon, on va regarder ça. Alors. Un peu de soleil, des lingots de cuivre, des lingots de fer et du charbon. Ça donne une carte au trésor. Pour être cool. Ma tasse de thé, du maïs et du café. On donnait 3 de chaque pour avoir du thé. Je prends. Du côté grillé pour des carottes et des navets pour avoir des graines de laitue. Je prends aussi. Et ici, de la gelée scintillante et des éclairs en bouteille pour avoir de la citrine. Ça fait la moitié de mon stock de gelée scintillante. Je vais prendre aussi. Donc j'ai toujours pas de saumon sockeil. Et du tissu de nébuleuse. Et toutes ces choses. C'est pas forcément très grave. Est-ce que j'ai des choses à vendre? Non, on avait déjà... vendu il n'y a pas longtemps et du coup des choses à acheter. Il a de nouveau des graines étranges et des bouteilles. Il est où mon inventaire? Il me reste 4 graines étranges et 40 bouteilles vides. Absolument pas besoin de tout ça. De mémoire, on venait de faire la fonderie. Ouais, c'est ça. J'avais dit que je serais organisé en off et j'ai complètement oublié. Mon bateau va ressembler à rien pendant cet épisode. C'est pas grave. On récolte du riz. Ça c'est cool. Je vais mettre un peu de lin quand même. On arrose tout ça. C'est cool parce qu'on va pouvoir faire du thé. Et je vois qu'on va avoir des poireaux également. Ça m'a l'air d'être pas mal ces poireaux. Ici plein de choses. Et ici des poireaux. Les poireaux à côté n'ont pas l'air mûrs. On va pouvoir planter de la laitue. Alors, je vais planter une graine étrange. Faire un petit peu de tout. Voilà, il fait trop noir pour naviguer. On s'en doutait un peu. Du coup, il n'y a personne à la fonderie. Je pense que j'ai pas l'esprit qui va avec. Non, c'est pas la fonderie. Il est au-dessus. Donc le charbon va nous servir à chauffer la fonderie. Ça sera parfait. Après, je pense pas qu'on ait grand-chose non plus. On va pouvoir améliorer du coup vu qu'on a nos poireaux. Ici chez Summer. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire de la Monstera Deliciosa, aussi connue sous le nom de plante fromage. C'est parfait. Je pense pas pouvoir améliorer plus. Hein. Chez Gwen, on avait amélioré complètement. Chez Atul, il nous manque des choses, mais ça demande beaucoup de matériaux. Et niveau construction, on a déjà un jardin, on a déjà une cuisine, on a déjà un métier à tisser. Un champ, une scierie, c'est pareil.
tout ce qu'il nous faut. Ici, on a tout fait. Et ici, on a toujours rien. Donc c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. On va donc passer la nuit endormir jusqu'au matin. Et si je me souviens bien, on était à la chasse aux moutons. Je suis déjà à Mingberg en fait, je pouvais y aller. Ah non, il me restait 3 cm à y aller. Non, c'est bon, on y est, je pense. J'aurais pu y aller pendant la nuit. Tant pis pour moi. Alors, on cherche notre ami le mouton. De mémoire. Il était là. Coucou le mouton. Je peux te nourrir? Oui, je te donne du maïs. Par contre, quelque chose me dit que tu sais descendre les escaliers. Tu sais descendre les escaliers, oui. D'ailleurs, pendant que je suis à Hummingberg, on peut souscrire chez Boufforama. Faut juste que je me souvienne où c'est. Voilà. Et mademoiselle, oui jeune femme, dois-je comprendre que tu es occupée? Tu es une femme moderne, tu as des choses à faire, des tâches à accomplir, des dettes butoirs. Et quoi encore? On pige, tu as une vie occupée. Chez Boufforama, nous croyons à la productivité et au ventre plein. C'est pourquoi nous avons créé ce service incroyable de livraison. Tous nos plats sont cuisinés par des artistes du gourmet. Cuisiner ne devrait pas être une distraction. Décider ce qu'on mange chaque jour est une corvée. Ton temps est compté, mais ton estomac ne devrait pas en pâtir. Si tu fais confiance à Boufforama, ton palais te remerciera. Tu développeras tes goûts. Pour aussi peu que 5000 lueurs, tu recevras un paquet spécial chaque semaine. Rempli de produits frais et de recettes. Tu seras plus heureuse et plus productive. Imagine toutes les possibilités. Boufforama, crois en toi. Peux-tu t'inscrire maintenant et marcher sur la voie d'une nutrition extraordinaire? Bah oui. Je vais compléter ton inscription et m'assurer que tu reçoives ta première commande le plus vite possible. Tu peux te reposer maintenant que Boufforama s'occupe de tes besoins alimentaires. Bienvenue dans la famille Boufforama. Moins 5000 lueurs, il me reste 3000. Viens, mon copain, mouton. Mouton, mouton. C'est bon, il suit. On va donc emmener ce mouton à côté de l'autre. Et on a du courrier. Notre premier colis Boufforama. Avec notre super mouton. Merveilleux. Et on va donc de nouveau utiliser le transport d'Alex. Pour aller où on veut aller. Oh! C'était là, mon estomac gronde. Aurais-tu quelque chose à grignoter? Je suis pas sûre d'avoir fait une salade de fruits. Je vais cuisiner ça tout de suite et j'arrive. Cuisiner. Alors, je peux mettre du riz. Du riz avec... carottes. Il a un peu faim également. Alors j'ai plein de paille là.
Le service est incroyable sur ce bateau. Hop. Coucou Alex. Je veux voyager. Je veux aller là. Et voilà, on y est. Et du coup, il ne me reste plus qu'à retrouver si c'était laquelle île avec mon mouton. Si c'est des fraises. Mouton. Voilà, mouton. Ma cuisine est pas encore cuisinée. On va arroser là. Ça demande beaucoup d'eau. Ça manque d'un petit arrosage automatique. On va avoir des poireaux. Parfait. Oui, je vais planter une graine étrange, allez. On arrose ici. On arrose là. J'entends mon mouton qui bêle. Et je fabrique. Elle arrive, elle arrive. Oh, elle va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Ah bah parfait. La salade de grains, c'est ce qu'elle aime. J'espère juste que je lui en ai pas donné hier. Un copieux bol de salade de grains. Quel délice! Ça demeure un de mes plats préférés. Et je crois que je n'ai pas ce qu'il faut. Ah oui, j'ai pas ouvert mon colis, c'est vrai. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas une nouvelle pierre. Non. Donc, j'ai pas ouvert mon colis. Bouforama. Bienvenue Stella, ici Madison de Bouforama. Cette semaine apporte amour et douceur. Nous vous proposons une incursion exclusive dans le monde des desserts. Avec un peu de farine et de framboise, tu trouveras le paradis. Une tarte au baies pour les cœurs en sucre d'orge. Bonne journée, complètement baie. Ma chère, tu aimes les desserts, toi? Tu aimes les desserts, donc je pourrais lancer une farine. Avec une baie. Et tout le monde sera content. C'est parfait. Mon mouton, je reprends mon mouton. Je te nourris, mouton. J'ai plein de maïs. Viens, mouton. Non, tu viens pas. Bon, d'accord. Il n'y a que moi qui viens. On va espérer qu'ils nous suivent. Une fois arrivé là. Ouais, parfait. Mouton. Et voilà, on multiplie les moutons. Beau travail! Tu as ramené un deuxième mouton. Oh, regarde-là, ils sont si heureux ensemble. Oh, ils interagissent plutôt froidement. C'est étonnant. Bon, ils devront seulement apprendre à se connaître. Je suis sûre qu'ils seront meilleurs amis en un rien de temps. Mais de mon côté, eh bien, c'était bien de se sentir nécessaire. Quoi? Tu veux que je t'accompagne dans tes voyages? Oh non! Non, 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 non. Je peux pas m'imposer comme ça. En plus, je suis sûre qu'il n'y a pas de place pour moi. Cette île est bien sûr un peu vide, mais je suis certaine qu'une petite maison y serait parfaite. Un petit bungalow avec de belles vignes et quelques fleurs en pot, peut-être. N'en est-on pas là avec la façade d'un chalet? Oh, il existe un verre aux fenêtres. Ce serait merveilleux. Oh! Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Non, vas-y, je serai bien ici. Et donc, on a obtenu le chalet d'Alice. Ce qui semble nous présager qu'il va falloir contenter cette chère Alice avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ici, c'est toujours fermé. On va peut-être pouvoir récolter un peu de matériaux. J'ai pas du tout fait attention si ça avait repopé ou pas. J'ai plutôt l'impression que non. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder.
On va regarder ce qu'il faut pour faire ce chalet. Adieu, petit mouton. Alors, du coup, notre nourriture est prête. Et ça nous fait effectivement une jolie tarte au baies. Qu'est-ce qu'on a à faire? Donna, tue des côtelettes de porc. Alors ça, on n'est pas prêt d'avoir des côtelettes de porc, mais voilà. Construis un chalet confortable pour Alice. Rends-toi chez Boncompte et compagnie et donne à Summer 3 gemmes. On en a donné 2 sur les 3. Ici, il nous manque des lingots de fer. Il nous manque surtout la fleur d'esprit. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt d'avoir ça. On n'a pas 8000 lueurs et... on pourrait avoir des planches de chêne et du fil de lin, éventuellement, pour continuer. On va surtout aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il faut pour son chalet, pendant qu'on est là. Alors, le nouveau, donc il faut 4 planches, il faut 12 planches de chêne, du fil de lin, du lingot de fer. Ça me paraît pas insurmontable. On a dit de la planche de chêne. Ça tombe bien, j'ai des bûches de chêne. Je note que j'ai même plus de bûches d'érable, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on a besoin. Ouf, ça c'était grave, d'accord. Un peu raté. Ces choses. C'était pas mal. C'était bien. Voilà. Plus que deux. Pas mal. Et la dernière. On est pas mal. D'ailleurs, je vais en profiter. Vu qu'on sait qu'il nous faut du charbon, on va cuisiner toute notre sûre possible. On sait que c'est long. Donc autant le faire. On a dit il nous faut du fil de lin, il me semble. Donc, on va tisser tout ça. Alors, je vais vérifier si c'est du fil ou du tissu qu'il nous faut. Il nous faut du fil, c'est bon, et il nous manque 4 lingots de fer. Donc, heureusement qu'on vient de faire une fonderie. Même si elle est énorme et qu'elle est hyper mal placée. On a vu qu'il fallait mettre du charbon. Donc je mets du charbon. Et j'ai très peu de minerais de fer. Déjà, on va faire un petit peu de minerai de lingots, du coup, de cuivre. On va faire ça. Allez, c'est parti. Donc ici, on a une petite jauge. Voilà, la jauge est verte. La jauge est verte. On attend un petit peu que ça redescende. La jauge est verte. Faut pas que ça aille dans le rouge. On est pas mal, on est pas mal. Ça va finir tout seul. Alors.
Je vais peut-être attendre un peu qu'on ait plus de lingots, parce qu'on sait qu'on pourra pas en faire 5. Et il me semble qu'on va pouvoir l'améliorer par la suite. Si je me souviens plus qui nous l'améliore. On a eu du riz, c'est parfait. Je vais replanter un peu de lin, c'est toujours utile le lin. Surtout que pour l'instant, on n'a pas d'autre chose pour faire du tissu. Donc on est plutôt pas mal. Je pense qu'il fait trop noir là pour naviguer. Non, il fait pas trop noir, c'est parfait. Il y a une carrière, ça me paraît pas mal la carrière. Sinon, il y a des choses tout là-haut, une mine. Et ici, on a des fibres de nébuleuse. À mon avis, on va même pas pouvoir y aller pendant la nuit. On va voir ça. Niveau courrier, j'ai tout ouvert. On est pas mal. J'ai un vieux soulier à vendre éventuellement. Ouais, ça y est. Il fait déjà trop noir pour naviguer. On pourrait cuisiner un peu. Oups. Voilà, j'ai arrêté le truc avant qu'il ait fini mon charbon. Et du coup, quand on fait ça, on récupère les matériaux. Être trop pressé, c'est ce qui arrive. C'est pas grave. Il y a des choses à arroser. Tranquillement. Je sais plus si j'ai arrosé là. On a de la laitue ici qui est prête. Oui, bah, je vais planter un peu de laitue du coup. Ça va être un épisode plutôt calme. Avec mon cuivre, du coup, je pense qu'il fallait plus que du cuivre. Planche de chêne, lingot d'aluminium, ouais, c'est plus que du cuivre, beaucoup plus que du cuivre. Bon, par contre, est-ce que je peux pas en profiter pour ranger un petit peu mieux tout ça? Parce que là, c'est quand même un peu catastrophique. J'aimerais bien avoir mes jardins là. Ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. On va juste réduire un petit peu la voilure. J'ai évité d'avoir des escaliers inutiles. Ça sera déjà pas mal. On verra ce qu'on a comme nouveau bâtiment par la suite. Et je pense que du coup, on va peut-être juste finir la nuit en pêchant. Ou en se ratant lamentablement pour notre pêche. Un vase luxueux, ouais. Enfin, en même temps, si c'est pour pêcher ce genre de choses, enfin, peut-être juste dormir. Pour pouvoir finir le trajet de jour. Sonner la cloche parce qu'on est le matin ici, ça n'a pas fini. Non, c'est long ici. On voit Tulle. Bonjour petite, il a un peu faim.
on va lui donner de la bouillabaisse. Bonjour petit chat. Elle a pas faim. Et me dit, j'y pense, on peut lui parler. Les côtelettes de porc me vont droit au cœur. Ben oui, je sais que les côtelettes de porc te vont droit au cœur. On va faire ce qu'on peut. Et on a du thé. On va pouvoir faire un petit peu de thé, ça va être cool. Il m'a pas du tout choisi ma destination là. Oh non, c'est que je n'ai sans doute pas la personne qu'il me faut. Il doit nous falloir un nouvel esprit pour voir ça. Sans doute justement celui qu'on espère récupérer avec un peu de fer. C'est pour ça qu'on va dans ces mines. Nous voilà arrivés. Ça c'est toujours pas fini. Bah ça sera fini quand on arrivera. Quand on rentrera. La carrière aux équis. Donc, pas le choix. Voilà, il y avait des petits champignons, je les ai pas pris. Ah là là, les champis. Il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche. On grimpe. Rien de ce côté-là, rien de ce côté-là. On grimpe. Trop tôt. Du charbon. Pas forcément ce qu'on cherche, mais c'est utile. Donc ici, ça monte et ça descend. On va descendre. Ici ça remonte. Non. De l'ardoise. Un genre. Je pense que je dois former le mec juste là. Je n'en ai pas envie. Depuis environ une semaine, je suis très fatigué. Je n'arrive pas à dormir la nuit, espérant qu'il maîtrisera son travail, sans mon aide. Alors, c'est ma première journée de travail. Je ne sais pas ce que je fais. Personne ne me forme. Cet endroit tombe en ruine. Donc il y a des choses de ce côté-là. Il y a des choses de ce côté-là, mais on n'a pas le pouvoir. Donc on ne peut rien pouvoir faire ici. Ici, est-ce que je peux sauter assez haut? Avec un peu d'élan peut-être? Voilà, avec un peu d'élan. Du minerai de fer, c'est parfait. On va pouvoir en utiliser 5 pour faire le chalet. Et ça montait juste comme ça. Ok. Bah du coup, on va pouvoir aller voir ce qu'il y a par là. On veut pas encore le coup de main.
Ici, ça monte simplement. C'est bon, il faut que tu te ressaisisses, Grégory. C'est ta journée. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'excavation. Tu laisses tes problèmes au vestiaire. C'est une nouvelle journée. Prends une grande respiration. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit chemin par là. C'est un dédale, cette chose. Tu m'hydrates de fer, c'est parfait. C'est ce qu'on vient chercher. Les champignons. Ça le fait. D'autres champignons. Ici, j'ai pas le pouvoir. Je crois pas. Non. Donc, on saute ici. On va ici. Parce qu'à mon avis, voilà. Une améthyste, ça va être parfait. Je pense qu'on va pouvoir la donner à notre ami Summer. On a choisi entre droite et gauche. Il y a quelqu'un. Mon superviseur est très stressé. Il m'a demandé de garder le silence aujourd'hui. Je ne devrais même pas te parler. Parce que tu ne vois pas le soleil, tu peux imaginer qu'il est toujours midi. C'est ce que mon patron dit en réunion. Encore du minerai de fer, c'est parfait. Ici c'est un sac. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a par là. Des gens. Les membres de la direction seront ici aujourd'hui. Je dois faire bonne impression. J'ai pratiqué mon regard sérieux et tout. Avec un peu de chance, ils me remarqueront dans la noirceur. De la mine à la salle du conseil. Toujours plus haut. Dans le petit livre là. C'est parfait. J'ai l'impression qu'il y aura autre chose. Voilà. Un truc caché. Oh non! Écoute, je travaille ici depuis 10 ans. J'ai creusé ce petit trou pour pouvoir lire il y a quelques mois. Ne le dis à personne. Tu ne dois pas déconner. Je peux pas perdre cet emploi. Je peux pas non plus travailler si fort. Mon dos me fait si mal. Prends ça. Appelle ça un pot de vin si tu veux. Oui, un pot de vin à 1000 lueurs. C'est un pot de vin, ça me va. Et donc il n'y a effectivement rien d'autre. Du coup, bah demi-tour. Je suis allé par là. Non, je suis pas allé par là. Un diamant et une vieille peinture. C'est parfait. Off. Alors, on essaie de pas se perdre. Je crois qu'il faut descendre. Et aller par là. Descendre. Voilà. On n'oublie pas de prendre les champignons. Et on va pouvoir construire cet abri pour Alice. C'est parfait. On va pouvoir faire du thé aussi. Et on va pouvoir également arrêter cet épisode. Oui, avec du thé, hein, on est d'accord. On n'a pas de sucre ou autre chose. Faire une tasse de thé, c'est parfait. Et on va pouvoir du coup construire. Bah oui, non, il me faut 4 lingots de fer, du coup je les ai pas fait les 4 lingots de fer, bien évidemment. On va faire ça. C'était en haut. Et ensuite, on arrête notre épisode là. Donc on a dit il m'en faut 4.
Attendez, dans la bonne zone. C'est parfait. On fait attention, on va attendre un petit peu que ça redescende. Histoire que ce soit pas dans le rouge. Ça devrait même être fini tout seul, tranquillement. Voilà, tranquillement. On a nos lingots de fer. On va donc pouvoir construire le chalet d'Alice, qui est encore un truc assez badass. On va pouvoir aller la chercher, mais ce sera lors du prochain épisode. On va peut-être juste donner à Summer... Non, c'était Summer que je voulais, à la porte. Summer, arrête d'aller aussi vite. Je veux te donner... J'ai des pierres précieuses pour toi. J'ai un diamant. Ne me dis pas que tu as trouvé un diamant. Incroyable, fantastique. Cette pierre magnifique, elle attire l'abondance, la force et le pouvoir. Mais aussi le courage, la force morale, la créativité, l'imagination et la pureté. Sans oublier l'harmonie, la loyauté, l'innocence. Il améliore le respect et l'amour de soi. Et évidemment, l'amour pur dans toutes les relations. En fait, on croit que les diamants remplissent tous les espaces négatifs en soi par la pureté de l'amour. Ça fait beaucoup... Stella, avec cette dernière gemme, mon armoire à médicaments de base est complétée. Et puisque ma pièce de méditation est déjà meublée d'un joli hôtel, tu peux venir ici et l'admirer quand tu veux. Dans tous les cas, je suis reconnaissante de ton aide. Tu as toujours été, après tout, une puissance, une présence rayonnante, une balise lumineuse. Stella, je ne l'avais pas prévu, mais je crois que j'ai quelque chose d'important à t'apprendre. Mais pour notre prochaine classe, eh bien, nous devrons quitter le bateau. J'ai entendu parler d'un joli endroit au mont Toroyama, en haut d'une falaise au-dessus de l'horizon. Je crois que ça fera une jolie salle de classe. Quand tu es prête, lève les voiles. Et voilà une requête complétée. On va donc s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà très long. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi vous êtes impatient de voir ce nouvel esprit arriver. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !